pas plus loin qu'hier, on parlait avec des amis et je leur ai dit ce pays, j'ai lu une étude récente. Finalement, les Arabes, il y en avait 2000 qui sont arrivés par là. C'était un pays berbère et un pays juif. On parle d'un pays arabe, mais finalement, les Arabes étaient très très peu nombreux. Et donc, ce pays a la chance de vivre un peu ce multiculturalisme depuis très très longtemps. Nous avons eu des drames, le départ des Juifs du pays dans les années 60. Ils sont en train de revenir maintenant. Mais c'était un drame hein, pour les Marocains, parce que moi j'ai grandi dans au fin fond de la Médina de Marrakech, et c'était juste à côté du Mellah. Le Mellah, c'était le ghetto, disons. C'est là où vivaient les Juifs. Donc j'ai grandi dans cette ambiance. J'ai grandi tous les samedis, on avait la srina chez nous à la maison, c'est-à-dire le repas des Juifs le samedi. Donc moi j'ai vécu dans cette. Et je pense que c'est une richesse exceptionnelle pour ce pays que d'avoir un peu cette ouverture, voilà.